Nous avons tant courbé le dos, anéantis par l'injustice, l'impuissance et la douleur. Aujourd'hui, une force incroyable se lève, qui éveille, qui rétablit, qui redonne vie. Il n'y a plus à subir, mais à éclairer. En choisissant de ne plus nous identifier en tant que victimes, mais comme des êtres libres. Alors, je suis Amaya, je suis thérapeute, et je vais vous parler de ce qui m'a amenée à exercer cette profession, et aussi à comprendre et à identifier la perversion narcissique. C'est comment on va reconnaître un pervers narcissique. Alors, un pervers narcissique, déjà, la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est que lui, il veut avoir de l'énergie. Donc, il veut se trouver dans le regard des autres. Il veut qu'on lui renvoie un regard positif de lui-même, tout le temps, admirateur, si possible, et que lui se sente, voilà, je suis beau, voilà. Bon, en fin de compte, derrière ça, ça cache évidemment une grande détresse, parce que quand on est en paix à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin en permanence d'être rassuré ou d'être adulé, ou etc. Donc, ces personnes, à la base, elles sont dans une espèce de combat pour fuir aussi une souffrance intérieure qui va faire qu'elles vont toujours être en action, en fait, pour aller chercher cette énergie en permanence, quoi. Parce que, bon, on est bien d'accord que l'énergie, normalement, elle doit venir de la Terre, de notre mère la Terre, voilà, monter comme ça, et aussi, voilà, du ciel, de l'univers, de notre partie divine, et ça doit fonctionner comme ça. Ce qui se passe, la perversion narcissique, pour qu'elle puisse agir, il ne faut pas qu'il y ait de la clarté. Plus il y a de la clarté, moins elle peut agir. C'est un peu ce qui est en train de se passer dans le monde, là, même dans notre climat avec les élections et tout, parce que plus on éclaire des choses avec Internet maintenant, on éclaire des comportements, on éclaire des choses que font les gens, et là, voilà, ça commence à ne plus pouvoir fonctionner. Donc chaque fois qu'on se laisse rabaisser, on sert les forces de l'ombre. Et chaque fois qu'on se reconnaît en tant qu'être de lumière, on sert la lumière. Et ça, c'est vraiment le choix qu'on va être amené à faire quand on aura vraiment compris toutes ces forces qui agissent comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ombre, elle s'immisce partout, absolument partout. Dans la moindre faille, dans la moindre souffrance, l'ombre, elle est là. Et l'ombre, elle te dit tout le temps, tu ne vaux rien, tu n'es pas capable. Tout le temps, elle dit ça. Mais elle dit ça à tout le monde, hein. Voilà. Et soit on la croit, soit on lui dit, je t'ai vu, d'accord. Et moi, je sais qui je suis, je sais qui je vaux, voilà. Et ça, c'est bon pour chaque être humain, hein. C'est-à-dire que chaque être humain a de la valeur. Chaque être humain. Et il ne faut plus jamais croire qu'on ne vaut rien. Voilà. Parce que ça, sinon, on sert l'ombre. Et ça, c'est important de comprendre. Moi, une fois que j'ai compris ça,